Super, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve justement sur Ark Nexus RP pour la phase finale. Ça y est, du serveur, ça y est, il arrive à sa fin. Donc, il y a moyen de bien rigoler. Là, on va incarner des vikings et on va aller taper tout ce qui bouge. Donc, je pense que ça va être assez drôle. Donc, hop, on va aller rejoindre les copains tout de suite. Bien le bonjour. Ah, voilà la guerrière. Ah, bonjour, madame. Enchanté, je suis Igor, le commanditaire. Ah, enchanté, Ida. Quand vous allez? Enchanté, Ida. Malheureusement, j'irai bien quand tout cela sera terminé et que tout ce royaume aura péri. Ouais, elle a l'air contente, Ida. Elle vient avec le sourire, là. Ça va casser les gueules, elle va être contente, là. Ah, ouais. Moi toujours, hein. Dès qu'il y a du sang, moi je suis la première. Hein. C'est une de vos premières missions, madame? Ah oui, là, ce type de mission-là sur bateau, oui, ça va être la première. Ah, d'accord, parce que nous, avec les gars, on est un peu des anciens. Avec Yorg, on a fait les 400 coups, on en a vécu des vertes et des pavés. Les 1257 coups, on a fait. Et les faits. Ouais, quand même. Une fois, c'était battu contre une armée de morts vivants, je vous raconte pas, mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, c'est oula, oui, ça rigolait pas, là. Et les faits. Et bon, en tout cas, vous pouvez nous la raconter à la fin. Et si. Mais je suis content que vous ayez ramené toutes les méthodes habituelles pour faire le bon travail. Quand je vois le bateau, il est bien équipé, ça fait plaisir. Oh, on peut féliciter Agrim, hein. C'est lui qui nous a construit le bateau rien que pour l'occasion. Ah, c'est bien. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que là, il claque. Il m'a fait plaisir, celui-là. Bon, mais bon, on va aller travailler, je crois. Hein. On va pouvoir y aller, en effet. Ah oui, il est temps, là, je pense. Allez, on va se rendre sur la plume Evade, c'est celle du Nord. On va casser cette ville de Med. Ils ont grandi, je les ai connus, c'était tout petit. Eh oui, oh la vache, vois les petits là-haut, dis donc, viens là, Oh, la dernière. Sympathique. Il n'y en a pas dans ce royaume, ils ne connaissent pas ces bestioles. Non, rien du tout. Je n'ai vu aucune de ces races, et pourtant j'ai bien arpenté le royaume pour mener mes enquêtes. Mais il n'y en a pas sur l'île. Je suis bien ravi qu'on en ait de, sur notre île natale. Ils vont bien voir ce que c'est des vraies bestioles. Ils vont voir ce que c'est de la bestiole, ouais. Bon, du coup, alors en fait, je fais le topo vite fait de l'histoire là. On arrive à la phase finale du serveur actuellement. Et voilà, le serveur ferme dans vendredi. Voilà, là, à l'heure où je parle, il ferme vendredi. Du coup, voilà, là en fait, ça va être principalement les vikings. Donc, moi, Yogi, Ben, Tony, en RP. On m'a dit qu'il y avait une personne dans le nord qui résidait encore. Il dirigeait un grand nombre de personnes. Il est anciennement dans la police, mais il doit travailler avec le roi. Coco. Oh putain de merde, il fait qu'une baleine en dessous du bateau. Ah mais l'autre il monte tranquille sur son. C'est bon, neutralisé. Heureusement que le bateau est costaud, hein, la baleine sinon on avait fait qu'une bouchée. Hein. Et c'est vrai. Moi, je suis là, j'ai entendu parler qu'ils avaient une caravane, un truc comme ça là. Exactement, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui résidait avec d'autres personnes, mais je sais pas un peu la forme du truc. Ça peut être une caravane ou alors... On y est loin ou quoi? Je pense que c'est sur la trille. Ok, on va aller faire un tour là, on va aller désinguer tout ça là-bas là. En effet, je pense qu'il serait intelligent de prendre les bestioles pour aller se déplacer sur l'île. Et faire du repérage. Vas-y avec mademoiselle alors. Ça va être hyper stylé, putain mon gars en griffon. Sur l'île enneigée. Ouais, je pense aussi, on va aller voir. Eh, dis donc, ça vole bien ces petites bêtes là. En effet. Ah, mon gars. Oh, comment ça va hyper vite, mon gars. Ça va trop vite, c'est un truc de malade. Regarde quand tu piques du nez. Attends, je vais éviter parce que mes conneries là. J'ai encore du mal à me servir de celle-ci. C'est longtemps que tu l'as perdu. Alors, bon, je regarde. Chose. Bah écoute, j'ai vu des petites baraques. En hauteur, là, il y a des maisons. Hein. Bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Mais en tout cas, il y a de la maison. J'ai reçu. Tu vois, la nouvelle technologie SMS, là, qui est géniale. Là, ouais, un petit tam-tam, là, comme ils appellent. Là. Ouais, c'est la civilisation. Igor m'a envoyé un message, là. Il nous rejoint ici, là. Ok, ça marche, pas de soucis. Ouais. Du coup, on fait quoi? On va monter? Non. Apparemment, il a trouvé une ville. On va aller en bateau jusque là-bas et on va tout désinguer avec les catapultes et les machins, les trucs là. Dès qu'ils sortent leurs animaux, vous montez sur les griffons et on défonce tout. Ok, ça marche. Heureux, mes amis, je suis là. J'ai trouvé des cibles. Allez, c'est parfait ça. Par contre, je tiens à vous dire, ils ont énormément de bestioles. Oui.
Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller devant leur côte, on va tout balancer, les catapultes, les machins. Dès qu'on les voit monter sur leur dino, on prend les griffons et on les désingue. J'ai peur que y ait pas assez avec les griffons. Mais on va essayer, on va essayer. Ouais. Là, c'est mauvais signe. Par contre, faut bien remettre ton griffon, là. Je crois qu'il... Ouais, pose-le, là. Il est excité comme une puce, là. Ah, il a hâte. Il a envie de se faire les griffes. Attends, je vais me pousser. Quel humour, Hagrid. C'est Asgrim. Oui. Oh, c'est pareil, on n'est pas une lettre près, hein. Ça va être la merde, putain. Ça va être le... On va se faire rétam, ça se trouve, la gueule. Ça va être hyper violent. Qui c'est qui joue, là? C'est la Wyvern. Elle a une bonne patte. Elle a pas une autre mélodie, là, la Wyvern? J'ai pas envie de parler d'une chanson comme ça, un jour. Ah, c'est pas mal, ça. Parce que la stratégie à adopter sera d'essayer de neutraliser un maximum de la bestiole à l'aide de la Wyvern. Il faudra que les griffons fassent du travail de précision sur les personnes. Oui. Vous savez frapper fort avec un griffon, il suffit de prendre de la vitesse et de viser le sol plein de bourre. Si vous tombez sur quelqu'un, coupez son arme. On est où là? On y est là? Ouais, on est arrivé. En effet, on est chez le région du Nord. Je m'approche un peu plus ou je reste là? Ouais, on va commencer à bombarder. Mets le bateau en position de bombarder. On va balancer les canons. J'ai pas l'impression de toucher, hein. Oh, attends, moi j'ai pété un mur, là. Oh, j'ai pété un mur, là. Ouais, fais attention de pas libérer les mecs sur notre gueule, hein. Bah ouais, c'est pour ça. Ouais, je peux dire, ils sont excités, là. Yeah. Qui aurait pu croire que sur Nexus RP j'aurais une Wyvern, mon gars? Qui? Regardez-moi ça! Putain, la classe! Oh! Je suis en PLS! Je crois qu'on a nettoyé ces touristes. Sous moi. Ah bah là ils ont eu ce qu'ils méritaient, hein, c'est bon. Je vois rien. Bête, si tu regardes les images, suis-moi. On en reparlera, hein. J'y vois rien, c'est oh, le brouillard, mais le brouillard. Oh, comment par contre ça, comment ça claque d'être en Wyvern. Oh la PLS, la PLS, je le sers en PLS. Oh, ils vont m'abattre, hein. Oh,
sais pas où est-ce qu'ils sont. Là, il y en a deux. Il y en a deux, là. C'est bon, j'ai été eu, c'est bon, c'est moi. Allez, emmène-moi. Nickel. Ahmed. Par contre, t'es lourd, hein. T'es un peu lourd. J'ai que mon équipement de combat. Tu portes quoi sur toi? Équipement de combat. Et 50. Ah ouais, bah là, t'es un peu trop lourd. Ça, c'est pour la musculation. Bah, du coup, les gars, on va s'arrêter là, vu qu'il y a le message de Viking Bat en retraite, mais ceci n'est que partie remise, c'est là qu'on va s'arrêter. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu sur Arc Nexus. Moi, ça m'aura bien plu. J'ai essayé de condenser ça au mieux. C'était excellent. Attends, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Clap de fin, les amis. Ça y est, pour la saison 2 de Nexus RP, c'est la fin. Ça y est, pour ma part, il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne pour la saison 2 de Nexus RP. Et là, vous allez dire, mais Kiki, attends-nous, on a vu d'autres vidéos. Il y a eu une ending sur Arc. Oui, sur Arc Nexus, il y a eu, bien sûr, il y a eu la fin du serveur. Ça, c'était juste avant la fin du serveur. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y participer parce que je n'étais pas présente suite à des petits soucis perso. Et j'ai pas pu être présente lors de la dernière soirée, justement, de fermeture du serveur. Mais je vous mets dans la description le lien de Yonix, du coup, la chaîne Twitch de Yonix d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à lui, il fait vraiment des vidéos cool et il a fait justement l'ending de Arc, je sais pas s'il l'a remis sur YouTube ou pas, je sais pas, il a fait l'ending en fait de Nexus et j'étais mort de rire. Moi, j'ai eu l'occasion de revoir ça le lendemain parce que j'étais pas là le jour même et franchement, mais j'ai rigolé, mais j'en pouvais plus. Alors je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne pour le coup, si vous avez envie de voir ce qui s'est passé justement pour la fin de la saison 2 de Nexus. Il y a aussi tellement de chaînes à mettre dans la description, d'ailleurs tout est listé dans la description. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de ZubenBig qui poste aussi actuellement les vidéos de Nexus RP. Je sais pas s'il a posté l'ending de Arc Nexus RP, je crois pas, enfin à l'heure où je vous parle il l'a pas posté du moins. Je crois qu'il a posté par contre la vidéo que moi j'ai faite là. Je crois que lui il l'a posté par contre avec quelques jours d'avance. Donc peut-être qu'au moment où je vais poster cette vidéo il l'aura terminé. De toute façon tout est listé dans la barre d'infos. Et lui il fait tout le montage de ses vidéos, donc il met les moments les plus importants. Sinon il y a tellement de personnes qui ont participé à la vie de ce serveur. C'est incroyable. C'est pour ça que pour moi il est important de lister tout le monde dans la barre d'infos. Parce que tout le monde mérite d'être connu quoi pour son personnage qu'il a incarné et tout. Je remercie aussi les fondateurs de Nexus RP et aussi Yogi qui m'a donné ma chance et aux autres de participer à cette saison 2 de Nexus RP parce que moi, pour ceux qui ne le savent pas, je n'avais strictement aucune expérience dans le monde du RP. C'était la première fois que je me lançais dans ça. D'ailleurs, on peut le voir, je crois, dans l'épisode 1 de Nexus. Au début, je mettais encore ma cam. Et là, il n'y a que à ce dernier épisode que je me suis dit, ça serait peut-être bien que tu fasses des modifications de couleurs, que du coup, tu mettes en 16:9 et tout. Donc là, maintenant, je pense que c'est ce qui arrivera sur la saison 3 de Nexus. Mais du coup, on peut le voir, voilà, sur la première vidéo, la tête que je fais. D'ailleurs, je crois que c'est Yogi, la première personne que j'entends au début. Et la tête que je fais, tellement ça... Bah, parce que pour moi, ça remonte tout nouveau, quoi. Je connais pas ça. Donc forcément, moi, j'étais mort de rire et j'étais hyper... comment je pourrais dire ? Hyper mal à l'aise en fait, j'avais peur de passer pour une bête en fait, c'est con hein. Mais en fait de dire oui je dois créer un autre personnage et tout, je me disais mais j'attends je vais passer pour une bête. Et je leur disais aux gars à chaque fois et tout le monde me disait mais non mais n'importe quoi, justement c'est ça qui est rigolo. Donc j'ai encore tellement à m'améliorer sur le monde du RP bien sûr. Mais c'est tellement excellent, franchement ça m'a permis de passer des moments mais excellents, des barres de rire. Et même vous avez été très nombreux à aimer les vidéos Nexus. J'aurais pas pensé qu'il y aurait eu autant d'engouement autour de justement de cette petite série. Et ça fait vraiment plaisir, c'est pour ça que justement tout est dans la barre d'infos. J'aimerais bien que voilà vous abonniez aux gens qui vous ont plu, aux personnages qui vous ont plu dans la saison 2 de Nexus. Donc pour la saison 3 de Nexus, il y en aura une bien évidemment, puisque j'en ai parlé juste avant. Il y en aura une, mais pas tout de suite quoi, ça va pas arriver demain, ça va arriver par la suite. De toute façon quand elle sera prête,
et qu'il y aura le lancement. En fait, je pense qu'il y aura beaucoup de trailers qui vont circuler sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, je n'ai plus de mots, les copains. Je suis un petit peu triste, c'est vrai, je vais pas mentir, je suis un petit peu triste parce que ça fait bizarre de se dire que ça y est, c'est la fin, quoi. Donc après, en parallèle, il y a d'autres choses qui sont ouvertes hein, par la communauté Nexus, il y a pas, ça s'arrête pas Arc, hein. Il y a Dark and Light, il y a tellement de choses qui sont ouvertes en parallèle, il y a du PvE, PvP, il y a trop de trucs, on n'est pas laissé comme ça à l'abandon et c'est vraiment excellent. Donc du coup je vous fais de gros bisous les copains, je vous remercie encore de m'avoir suivi pour l'aventure Nexus, je remercie tous ceux voilà qui ont mis des gros pouces en l'air à chaque fois pour dire s'il te plaît une autre vidéo, et même là quand je poste d'autres vidéos vous marquez tout le temps dans les commentaires s'il te plaît une vidéo Nexus, voilà donc là c'était la dernière pour moi, allez voir tous mes collègues justement pour regarder l'ending si ça vous intéresse et même voir les autres points de vue, ça peut être excellent aussi. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.